Jack de Reeves est un petit cervidé vivant dans les forêts humides de l'Asie du Sud-Est. Il est endémique de Taïwan, mais a été introduit en Asie de l'Est, notamment en Chine, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Cette espèce fut introduite en Angleterre vers le début du 19e siècle et a colonisé le centre et le sud de l'Angleterre, puis le Pays de Galles. En Grande-Bretagne, ce Moonjack s'est très bien adapté à la forêt tempérée, aux campagnes dotées de bosquets et de haies bocagères. D'un caractère primitif, le mâle possède deux bois courts, 13 cm maximum, et de grandes canines. Il mesure jusqu'à 1 mètre de longueur et 45 cm au garrot, pour un poids allant de 10 à 18 kg. C'est donc ce petit cervidé et une population de daims que nous allons chasser en poussée silencieuse, c'est-à-dire sans chien. Le calibre 6.5-57 n'est pas un calibre moderne, mais c'est un calibre précis pour les gibiers européens, y compris le cerf et l'élan à l'approche. Sa commercialisation a commencé en 1894. Sa douille est une douille de 7.57 avec un collet restreint. Il bénéficie d'une très bonne réputation en tir de précision, nombre de chevreuils et chamois pourraient en témoigner. Il est par contre un peu juste pour le tir en battu sur des animaux dont le poids dépasse 40 kg. Il sera donc le calibre idéal pour la chasse en poussée lente sur des animaux non stressés et d'un poids de 60 kg en moyenne pour les daims. Pour cette chasse, l'un des chasseurs emportera avec lui un petit couteau pliant réalisé par l'un des partenaires de la vidéo, le coutelier français José Vial. Dénommé Moonjack, du nom de ce petit cervidé asiatique, il s'agit d'un couteau pliant de berger avec un système de fermeture appelé deux clous, l'un servant d'axe à la lame et l'autre de butée lorsque celle-ci est ouverte. Cette lame au coupant comme un rasoir est en acier japonais de Suminagashi Takefu, réputé pour la fabrication de lames pour couteaux et épées. Le manche, quant à lui, a été fait avec une corne de chèvre de Sardaigne, dont le morceau choisi se situe dans la partie crête, d'où la forme irrégulière du dessus du manche. L'étui en cuir est également fait à la main et a été moulé sur le couteau même. Parfaitement ajusté, le chasseur évitera ainsi de perdre ce très joli petit pliant. Sans arête agressive, le couteau peut également se ranger dans une poche, sans risquer de la trouer. Le poids du modèle présenté est de 106 grammes. Bien que conçu avec de beaux et nobles matériaux, il n'en reste pas moins discret et non ostentatoire. Seule la finition d'un guillochage profond rappelle si besoin était que ce couteau a été réalisé par un artiste coutelier. Peu encombrant, discret à la ceinture, il convient parfaitement à tout chasseur désireux d'avoir avec lui un bel objet fonctionnel à faire suivre dans ses sorties de chasse. Thank you.
à moi, en plus de mon matériel vidéo habituel, je placerai sur le territoire pendant 72 heures une petite caméra piège afin d'obtenir des photos de nuit de ce petit cervidé très discret qu'est le Moonjack. La caméra que j'ai choisie est la SpyPoint Solar, pratique car équipée d'un panneau solaire, je n'aurai donc pas à me soucier de ses batteries. Dum 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 d